là, Sarah, j'ai peur de la perdre. J'ai peur de la perdre. Parce que je l'aime vraiment, j'aime tout mon cœur, c'est la femme de ma vie. Et j'espère qu'elle va me pardonner, j'espère qu'au moins, j'espère d'ailleurs qu'elle soit là. Parce que si elle vient pas, je pense que c'est chaud. Bah, clairement, si elle vient pas, c'est que c'est fini. C'est que c'est fini, ou du moins c'est très très grave. C'est très très grave notre relation. Si ce qui se passera, c'est que ça sera très grave. Et si je la perds pour si peu, ah, je regretterai tout. Les boules c'est méchant. Je l'ai entendu 50 fois. T'as pas envie de parler? On discute de ce qui se passe, du problème, je sais pas moi. Allô? Elle me regarde pas, elle veut plus me voir, mais en plus de ça, elle veut plus m'entendre. Elle met des boules de caisse, ça veut dire en gros, j'en peux plus de toi. Là, je me dis que c'est vraiment chaud. Vraiment chaud. Je te parle. Allô, allô, allô. Ça sert à rien qu'on vienne dîner, je sais pas parler. Hola. Gracias. Gracias. Bon appétit. Tu manges pas? Hein? Je mange pas, C'est quoi, c'est la fois de trop? Hein? Dis-moi, parle-moi, je sais pas moi, dis-moi quelque chose. Je suis excusé, je suis désolé. J'aurais pas dû dire ça, sur le coup j'étais énervé, je t'ai dit ça. C'est normal que t'abandonnes. T'abandonnes, tu te fous de ma gueule. Je m'en fous de tes excuses, je te le dis clairement. Je m'en fous de tes excuses. Pourquoi je t'en fous? Parce que tu t'excuses tout le temps. Tout le temps, c'est la même chose. Tu te proclamais le mec tolérant. Tolérant de quoi? Je suis tolérant. Tolérant de quoi? Hein? Je suis tolérant. Qu'est-ce que j'ai fait moi tout au cours de l'année? C'est quoi le rapport? Mais apparemment je suis pas une femme. Je te parle pas de ça quand je suis pas une femme. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je n'ai pas à parler avec toi. À partir du moment où je suis pas une femme, je n'ai plus à parler avec toi. Toi aussi t'as eu des mots déplacés. Mais j'en ai rien à foutre. Super Ahmed. T'abandonnes, tu rigoles, tu te fous de ma gueule. Super Ahmed. Trop fort toi. Super Ahmed. T'abandonnes. Super. Tu rigoles, tu te fous de ma gueule. Hein? Je dois faire quoi? Moi, tous mes torts, j'ai fait des efforts dessus. J'ai fait des efforts. Et malgré tout, je m'excuse, je me remets en question. Le but, c'est pas de, à chaque fois, se rejeter la perche et de se dire t'as fait ci, t'as fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Le but, c'est à chaque fois d'améliorer les choses. Mais ça, je comprends pas. C'est toujours moi qui s'excuse, c'est toujours moi. Oh, le pauvre Calimero qui souffre tellement dans sa vie. Toujours ma faute. Oh là là, le pauvre. Mais quitte-moi alors. Si tu souffres tellement, quitte-moi. C'est toi qui souffres. Mais non, tu souffres tellement. Quitte-moi. C'est toi qui va souffrir. Quitte-moi. Ah non, moi je baisse les bras en fait, tout simplement. Tu baisses les bras. Ouais, exactement. Exactement. Exactement, je baisse les bras. Pourquoi tu continues? Du coup, c'est quoi? T'en as marre de moi? J'ai plus envie. Là, tout de suite, si on me demande est-ce que j'ai envie de faire des efforts, est-ce que j'ai encore espoir? Non, là, tout de suite, j'ai plus envie. J'ai plus envie de rien. Non, femme. Pour une fois que t'es gamin. Quand je vois ces vidéos, j'ai mal. J'ai mal parce que je suis juste en train de perdre espoir. Parce qu'en soi, on va pas se mentir, être en couple, c'est cool. Mais c'est aussi énormément de problèmes. C'est aussi énormément de doutes. Mais c'est chaud quand même. De se dire qu'on est marié et d'être dans cet état-là, c'est chaud quand même en fait. Ça me touche, je suis obligé de fondre en larmes. J'arrive pas à me retenir. Je vois toute notre relation, toute notre histoire, tout ce qu'on a passé, tous les bons moments, toutes les choses qu'on a pu vivre ensemble. Et je me dis, faut pas que ça se finisse entre nous. Vraiment. Je l'aime en fait. C'est pour ça que je pleure. Je l'aime, parce que j'ai pas envie de la perdre. Ma chère Sarah et mon cher Ahmed, une petite vidéo rien que pour vous parce que je sais que vous êtes en ce moment sur l'aventure de la bataille des couples. Je n'ai aucun doute sur le fait que votre amour soit immense, particulier et exceptionnel. Je sais que c'est un trésor que vous chérissez très fort. Mais je sais également vos difficultés quant à la communication, quant aux peurs d'être abandonnés l'un par l'autre. Vous vous êtes engagés dans cette aventure parce que vous savez que votre couple en a la force et la solidité. Et le fait que les épreuves vous en fassent douter, c'est le jeu. Ça fait partie de cette aventure parce que justement, c'est une aventure lors duquel les piliers vont éprouver la qualité de votre amour pour que vous compreniez les choses sur lesquelles vous avez des petites fragilités et sur lesquelles vous pouvez travailler pour vous renforcer et sortir de cette aventure grandie. S'il vous plaît, ne prenez surtout pas le pendant négatif de cette aventure et je n'ai aucun doute sur le fait que votre amour gagne sur toutes les difficultés que vous allez éprouver. Prenez soin l'un de l'autre et haut les cœurs. Lâche-moi. Non, lâche-moi. Lâche-moi. Psychologiquement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de subir tout ça. Donc, j'écoute Lucie. Mais je suis blessée et en fait, là, je suis juste en train de perdre espoir. Parce que j'ai plus l'impression d'avoir la personne que je voyais il y a 1 an et demi. J'ai plus la personne qui part sur des acquis, qui se dit elle est amoureuse et que même si ça s'embrouille, elle réussira à me pardonner. Sauf que l'être humain a ses limites. Je t'aime plus que tout, tu sais très bien, je t'aime plus que tout. C'est très mal, je t'aime plus que tout. Tu sais pas? J'en sais plus rien. Ah, tu sais plus si je t'aime pas? Non. Ah bon? Tu vois, moi, ce qui me fait peine à voir, c'est que t'es plus la personne qui était là. C'est con. Maintenant, c'est trop acquis, en fait. Là, c'est quand tu me voulais. Il n'y a plus le Ahmed qui était mignon, il n'y a plus le Ahmed qui cherchait un messenger, il n'y a plus le Ahmed qui était... Non, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus. C'est une habitude, c'est acquis, ça y est. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a plus rien. À part de dire que t'es pas heureux, que je t'étouffe, que nanana et que tout est de ma faute. Arrivé à un moment donné, une femme, elle accumule, elle encaisse. Mais un jour, il y aura un point de non-retour. Je t'aime, t'es la femme de ma vie, je te jure. J'ai pas envie de te perdre. J'y crois même plus. Tu vois ce que je te dis? J'y crois même plus, en fait. En fait, j'arrive plus à me dire ce qu'elle pense. Est-ce que elle en a vraiment marre de moi et elle est à bout, ou est-ce que elle va me laisser, elle va me quitter, je sais pas en fait. C'est compliqué. Je me demande où on va aller. C'est bon, la ferme, je vais rentrer sur mon lit.